La terre est vaste, assez vaste pour croire qu'on peut se cacher de tout, de Dieu, de son destin. Lorsqu'on a trouvé cet endroit lointain, alors on fuit. On fuit jusqu'aux confins de la terre pour retrouver de la sécurité, la tranquillité, la chaleur, le réconfort. Le danger laissé derrière soi, le luxe d'avoir du chagrin. Et pendant un temps, peut-être, on croit s'être échappé. Nous sommes de nature des êtres routiniers. Ce qui nous est lié nous rassure et nous réconforte. Mais que se passe-t-il quand le familier devient menaçant? Quand le danger que l'on s'applique à fuir surgit au cœur même de notre vie? Où nous réfugions lorsque les choses auxquelles nous croyons disparaissent sur nos yeux? Survivre, s'adapter, s'échapper. Si nous pouvons déterminer cet instant précis dans le temps, agirons-nous différemment? Pouvons-nous l'empêcher? Si nous pouvons revenir en arrière pour modifier cette trajectoire et l'empêcher de s'abattre sur nous, le ferions-nous? Lecture d'urgence. Johann Flansbury, La Bible des anges, écrit et inspiré par les anges de lumière.